Hey, écoutez, trop d'émotions en même temps. On pensait jamais, sincèrement, que ça serait aussi rapide. Je voulais pas si longtemps que vous m'avez demandé. Monsieur le maire, ça a pris 8 minutes. Je disais, oh, nous, ça va aller. Ça va prendre une coupe d'heure. Mais finalement, mais ça n'a pas été le cas. Alors, très contente. Et je sais que ce travail-là, là, c'est pas que moi. C'est toute cette gang-là derrière moi. Puis, sérieusement, vraiment fière, vraiment contente de la confiance des citoyens. Puis je vous assure qu'on les. C'est clair qu'on va tout donner pour que, justement, que cette confiance le reste, puis que les gens soient contents et fiers d'avoir justement appuyé notre pays. Un énorme merci aux citoyens et citoyennes de la Ville de Québec de nous faire confiance. Écoutez, j'ai jamais, tout le long de cette campagne-là, l'intégrité. Le fait d'être authentique m'a dirigé, puis je vous dirais même dans les huit dernières années, ça a été ça. On m'a déjà dit que j'étais pas assez présente, pas assez dans les médias. Des fois même que je me cachais, mais je peux vous dire que mon leitmotiv était toujours d'être la meilleure pour livrer le mieux possible et répondre le mieux possible aux citoyens. Et aujourd'hui, là, par cette réponse-là, je me rends compte que j'avais raison. Yeah! On a tous la même motivation, hein? Qu'on soit candidat à la mairie, qu'on se présente comme conseiller municipal, on aime notre ville, puis ça, c'est pas rien. Et moi, je peux vous dire, pour avoir fréquenté ces 21 candidats-là, ils sont tellement là, puis je le sais que je le dis souvent, vous allez me trouver plate, mais je le répète, ils sont tellement là pour les bonnes raisons. Je les adore, c'est des personnes extraordinaires, puis je veux vraiment qu'on les applaudisse très fort ce soir. Encore un énorme merci. Soyez assurés qu'on va être au rendez-vous pour continuer à rendre cette ville-là belle, la faire rayonner, continuer à vous permettre justement d'avoir une qualité de vie incroyable et tout ça avec un tramway et bien sûr avec des finances rigoureuses et ça, je peux vous en assurer. Alors, merci énormément encore une fois pour votre confiance et j'ai hâte déjà à la sermentation pour continuer à travailler et changer de bureau parce que je suis juste à côté de celui du maire. Merci beaucoup.